Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie dans la présence de notre Père? Il est présent, Seigneur. Il est présent. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas cesser de l'acclamer encore ce matin. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Il est digne d'acclamation. Il est digne que nous poussions des cris de joie pour lui. Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa joie ce matin? Oh, alléluia, s'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu, est-ce qu'il peut se réjouir comme il se doit? Oui, notre Dieu est digne de recevoir la gloire qui monte de ce lieu, l'honneur, la puissance et la force. Tout ce dont j'ai besoin, mon âme et mon cœur soupirent après toi. Je te cherche la nuit, le jour. Mon âme te cherche, mon âme te cherche. Mon âme aspire à te voir, mon âme te cherche. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qui compte, Seigneur. Oh, quand tu es là, tout ce qu'il y a autour de moi ne compte plus. Il n'y a que toi qui importe dans ma vie. Alléluia. We know.
encore qu'il est tout pour toi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Le voile s'est déchiré et nous avons un accès, Seigneur, libre à ta présence.
de nous, Seigneur, de ne pas négliger, de ne pas mépriser ce privilège. Et apprends-nous à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer comme tu le veux. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu... Ah, chante-le, bien-aimé, chante-le.
matin. Ce n'est pas de courir après l'argent. Ce n'est pas de courir après les biens matériels. Ce n'est pas de courir après mes avantages, mes intérêts, mes rêves. Mais c'est de t'adorer, Seigneur. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer ce matin. Pourquoi c'est de t'adorer? Pourquoi c'est un privilège? Parce que quand tu rentrais à Jérusalem, tu as dit, si vous ne m'acclamez pas, je vais susciter des pierres pour m'acclamer. Mais aujourd'hui, tu as laissé les pierres, tu m'as prise, moi. Moi qui suis une personne insignifiante, une pécheresse. Moi, Seigneur, qui étais plongée dans le péché. Et tu as fait de moi une perle de prix. Tu m'as racheté, Seigneur, par ton sang. Ton sang, Seigneur, qui a une valeur inestimable. Oh Père, j'aimerais te dire merci. Quelle bonté, quel amour que tu as pour moi. Quelle miséricorde que tu as eue pour moi. Quelle faveur que tu m'as donnée, Jésus. Quand je ressasse à ma mémoire de là où je suis quittée, là où je suis et là où tu m'envoies. Seigneur, je veux te dire merci. D'un cœur humble, Seigneur, nous élevons la voix. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Te rappeler de ce que Jésus a fait pour toi. Élève la voix, élevons la voix et célébrons ce Dieu. Si tu n'as pas mémoire de ce que Jésus a fait pour toi, ce matin j'ai un témoignage pour toi. Tu es en vie et la vie, c'est la vie, le souffle de vie n'a pas de valeur. Et si tu respires ce matin, élève la voix, élevons la voix. Élevons la voix et prions. Reconnaissons la miséricorde de Dieu dans notre vie. Père, je veux te dire merci. Je veux élever la voix ce matin. Pour te dire merci, Papa, parce que si je suis en vie, ce n'est pas de ma propre force. Mais parce que c'est un privilège pour moi. C'est une grâce pour moi. C'est une faveur pour moi. Une faveur inestimable. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu as eu compassion pour moi. Merci Jésus, Papa, parce que tu as eu compassion. Tu m'as aimé le premier. Tu as donné ta vie pour moi. Personne ne s'est sacrifié pour moi. Mais toi, tu m'as aimé. Mais toi, tu m'as tendu les bras. Mais toi, tu m'as racheté. Oh Seigneur, c'est pour cela ce matin. Je dis, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes ce matin, c'est pour te célébrer. C'est pour t'acclamer, c'est pour te glorifier. Acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur. Faisons monter un parfum d'adoration.